Bien, il est 17h. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans ce direct qui est organisé par UVL dans le cadre du MOOC sur les arbres. Il s'agit du deuxième événement de ce type après celui organisé le mois dernier, en janvier, avec Francis Martin sur le thème des symbioses mycorhiziennes. Le déroulement du direct d'aujourd'hui sera exactement le même. Tout d'abord, notre invité du jour, Erwin Dreyer, va faire une présentation autour de sujets qu'il a jugés tout particulièrement pertinents et d'actualité. Il y aura ensuite un temps d'échange avec vous sur la base de questions que vous pourrez lui poser dans le chat de ce direct. C'est le chat qui est situé à droite. Vous avez l'onglet tout en bas de votre écran pour le faire apparaître. Et je relaierai avec ma collègue Delphine Pommeret de la Fondation UVED, nous relaierons ces différentes questions à Erwin. Merci d'avance de poser des questions courtes et précise pour que Erwin puisse y répondre au mieux. Alors, vous étiez déjà invité sur le forum du MOOC à commencer à poser vos questions à l'intervenant au regard de ce qu'il avait présenté dans le MOOC, dans sa vidéo, mais aussi de la thématique de son intervention d'aujourd'hui. Sachez que l'ensemble de ces questions lui ont été transmises. Beaucoup d'inscrits au MOOC ne pouvant se libérer pour suivre ce direct, il est, comme le mois dernier, enregistré et sera déposé dès demain et donc en consultable sur la plateforme du MOOC. Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Et avant de laisser la parole à Erwin Dreyer, notre intervenant, je vais rapidement le présenter. Alors, Erwin, bonjour. Bonjour. Merci tout d'abord d'avoir répondu favorablement à cette sollicitation. Alors, vous êtes directeur de recherche à l'INRAE au sein de l'UMR Silva. Votre spécialité, c'est l'écophysiologie des arbres forestiers en réponse au microclimat et au changement du climat. Vous vous concentrez notamment sur les réponses de la photosynthèse, de l'économie du carbone et de l'eau dans les arbres en situation de contrainte imposée par le manque d'eau. Alors, vous avez tout particulièrement étudié les espèces comme les chênes, les peupliers, l'acacia blanc du Sahel, le caféier et quelques espèces de la forêt guyanaise. Vous avez présenté pendant 8 ans. Alors, je profite de ce petit bruit pour vous demander de bien couper vos micros. Bon, alors ça y est, Sophia, c'est terminé. Allez, comment alors, je cette vais déco? mettre un petit message pour. Ouais, je vais le mettre si Merci. tu veux. Merci beaucoup, Delphine. Je Donc, vous avez présidé pendant 8 ans, de 2010 à 2018. La prépa, quoi. Alors, à partir du samedi, du vendredi? Ah, je sais pas. J'ai à peu près tout prévu, donc je devrais pas y tu avoir devrais trop pouvoir, d'attente. tu devrais pouvoir les couper, là. Mauvaise surprise, enfin, j'espère pas. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai vu tous les dîners. Voilà, et je vais ensuite. Méga rassurée et méga confiante. Hein. Maintenant, ma plus grande appréhension, c'est que l'ambiance ne prenne pas. Mais il y a fort à parier que l'ambiance sera au rendez-vous ce soir, car c'est une belle et grande équipe soudée Bon, qui approche un grand pas. alors, Vous les avez suivis toute excusez-moi, la hein, on semaine, a. ils sont tous. Là, je fais la demande. Voilà, très bien. Donc, je finis de vous présenter, Erwin, excusez-moi, hein, pour ce petit contretemps. Donc, vous avez dirigé le centre INRAE Grand Est Nancy. Pour terminer, on en parlait déjà en préparation de ce direct. Vous êtes très intéressé par l'édition scientifique. Vous êtes éditeur en chef de la revue Annals of Forest Science et animateur de la communauté Forest and Wood Sciences. Pour être tout à fait complet, je rappelle que vous intervenez dans la semaine 3 de ce MOOC sur le sujet La journée d'un arbre. Erwin, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Est-ce que vous voyez l'écran et les diapositives? Oui. Parfait. Donc, je vais pouvoir y aller. Donc, j'ai centré cette intervention sur une partie de ce qui était dans le MOOC initial, qui est la question de la coordination entre le fonctionnement des stomates et les propriétés hydrauliques des arbres, qui était abordée en fin d'exposé, puis qui a soulevé pas mal de questions. Donc, je vais traiter de quatre aspects. Et je vais régulièrement passer de l'échelle de la cellule, de l'échelle de l'organe, à l'échelle de l'arbre. C'est un exercice que je vous demande de faire aussi régulièrement. Je n'irai pas au-delà de l'échelle de l'arbre parce que c'était ma spécialité. Donc, on parlera de régulation de la transpiration par les stomates. On donnera quelques bases de l'hydraulique, c'est-à-dire du transfert d'eau dans les arbres.
On parlera des limites du fonctionnement hydraulique et puis on posera la question de est-ce qu'il y a une coordination entre ces deux caractéristiques qui sont relativement indépendantes spatialement dans l'arbre, l'une se passant plutôt dans les tiges et ce qu'on appelle le xylème, le tissu conducteur, et l'autre concernant des petites cellules qui sont à la surface des feuilles. Donc, le premier schéma était déjà dans le MOOC, hein. C'est simplement pour vous rappeler quelque chose d'important, c'est que la circulation de l'eau se fait depuis les racines vers les feuilles, évidemment, et que l'eau s'évapore dans les feuilles et la vapeur d'eau diffuse vers l'atmosphère, c'est ce qu'on appelle la transpiration, ou l'évapotranspiration, pour insister sur le fait qu'il y a de l'évaporation, que ce n'est pas une transpiration comme la transpiration humaine ou animale. La deuxième chose, c'est que ça se traduit par une conséquence qui est que l'eau circule sous tension dans les vaisseaux du bois. Donc, c'est ce qu'on appelle la montée de la sève brute, souvent. Donc, la caractéristique de la montée de la sève brute, dans la majorité des cas et dans la majorité des saisons, il y a quelques exceptions, est assurée par la transpiration et donc se fait sous tension. Je reviendrai sur cette idée de tension. Et puis, donc, la transpiration et le flux d'eau dans les branches sont fortement couplés. C'est bien la transpiration qui tire le flux de sève brute. Et j'insiste sur le terme de tirer parce que c'est bien ce qui se passe. On n'est pas sous pression, on n'est pas dans un système hydraulique où il y a un moteur ou une pompe qui pousse l'eau. On est dans un système hydraulique dans lequel c'est au contraire à l'autre extrémité du tuyau que se passe un phénomène relativement complexe si on essaie de le décrire du point de vue physique, mais qui est maintenant reconnu. C'est l'évaporation dans les feuilles et la transpiration qui permet la montée de la sève. C'est ce qu'on appelle la théorie de la tension-cohésion qui a maintenant plus de... Elle a été élaborée et formalisée en 1892 déjà, donc elle a plus de 100 ans et c'est très difficile de la démontrer. Il y a encore des débats pour savoir à quel point elle est vraie ou pas. Alors, on va commencer par l'estomate qui régule la transpiration des arbres. Alors, la transpiration, elle est provoquée d'abord c'est un processus physique, c'est bien une évaporation. Ce n'est pas un processus physiologique, pas biologique ni physiologique, c'est bien un processus physique. Et ce processus physique, il est provoqué par l'environnement, donc par ce qu'on appelle l'évapotranspiration potentielle, qui est un concept qui mêle du rayonnement solaire, il faut du rayonnement sur les feuilles, de l'humidité de l'air, il faut qu'il y ait une atmosphère pas totalement saturée. Et puis, il faut des températures, ça dépend de la température. C'est un processus physique. Seulement, ce processus physique se déroule à l'intérieur des feuilles, et les feuilles, fort heureusement pour les plantes qui habitent sur les continents, sont entourées d'une cuticule qui est imperméable à l'eau d'une part et au CO2 de l'autre. Ça, c'est une caractéristique importante. Et donc, il y a une interface qui permet d'échanger avec l'atmosphère. On reviendra dessus. Et c'est bien ces mouvements d'ouverture et de fermeture d'estomac qui répondent à des stimuli et qui sont la seule façon qu'ont les plantes de réguler leurs échanges d'eau et de réguler donc aussi la circulation de l'eau dans l'arbre. Alors là, je vous ai sorti pour un peu illustrer cette partie foliaire, ce que j'avais déjà montré avant, un truc qui me fait penser à Wallace et Gromit. C'est un joli modèle, ce n'est pas du tout une feuille vraie, mais c'est assez réaliste dans la présentation. Et vous voyez bien d'abord les structures anatomiques. Si vous regardez, vous avez des deux côtés de la feuille, une cuticule imperméable à la vapeur d'eau et au CO2 gazeux. Et puis, pour permettre l'entrée et la sortie, déjà souvent la sortie de vapeur d'eau et l'entrée de CO2, il faut que les éléments qui sont présents ici à la face supérieure et à la face inférieure, qu'on appelle des stomates, qui sont des petits orifices qui peuvent s'ouvrir et se fermer, laissent passer la vapeur d'eau ou ne la laissent pas passer. Et vous voyez tout de suite le compromis que la plante doit faire, puisque si elle veut économiser de l'eau, elle ferme ses stomates, mais si elle ferme ses stomates, elle ne peut plus laisser entrer de CO2, elle ne peut plus faire de photosynthèse. Ça, ce compromis est absolument central dans le fonctionnement de toute la végétation terrestre et pose des tas de questions intéressantes sur lesquelles on ne pourra pas entièrement revenir. La photosynthèse se passe dans les chloroplastes, mais il faut qu'il y ait du CO2 gazeux qui soit disponible. C'est bien le CO2 qui est le substrat de la photosynthèse. Il faut aussi qu'il y ait de la lumière, il faut aussi plein d'autres choses. Mais s'il n'y a pas de CO2, la photosynthèse s'arrête. Donc, si les stomates sont fermés, on économise de l'eau, mais on empêche la photosynthèse. D'où le compromis à trouver.
L'estomac s'ouvre essentiellement quand les conditions sont favorables à la photosynthèse et se ferme quand il y a trop de transpiration. Voilà, pour faire très, très bref, et vous voyez bien, là, on voit dans la, à la gauche de la figure, hein, que l'eau arrive sous forme liquide par des éléments conducteurs qui sont les vaisseaux du xylème, dans le cas des angiospermes, et puis qui sont des trachéides, sur lesquels on revient dans le cas des conifères, et sous forme liquide, et ensuite s'évapore à la surface des cellules du mésophile, c'est-à-dire les cellules des tissus qui sont à l'intérieur, limitées par les deux épidermes et par les deux cuticules. Et le CO2 entre sous forme de gazeuse, et c'est bien le CO2 gazeux qui est le substrat de la photosynthèse, et non pas le carbonate ou le bicarbonate soluble. Donc après, il y a toute une voie de transfert du CO2 vers les chloroplastes, ce n'est pas notre sujet du jour, mais visualisez bien, l'eau liquide arrive dans les feuilles, elle est évaporée, et c'est bien la vapeur d'eau qui sort de la feuille, et c'est l'évaporation dans les feuilles qui est le moteur de la transpiration et du flux liquide à travers les arbres. Alors dans la réalité, l'estomac, ça ressemble un peu à ça. Là, je vous ai montré une microphotographie prise au microscope électronique à balayage à Nancy, qui vous montre la surface d'une feuille de chêne où vous avez des cires cuticulaires et vous voyez très bien les stomates qui sont plus ou moins ouverts ici, qui sont plutôt fermés, mais bon, il faut dire que la feuille a été congelée avant de pouvoir faire cette image. Et les dimensions, vous les voyez en bas avec l'échelle, hein, on est dans de l'ordre de 10 micromètres, 10 microns pour un stomate, c'est la taille d'une cellule. Et en fait, un stomate, c'est deux cellules de garde qui sont autour de cette ouverture et qui peuvent provoquer l'ouverture ou la fermeture de cette entrée. Et c'est ça, la communication entre l'intérieur des feuilles et l'atmosphère. Alors, les mouvements des stomates, ça a fait l'objet de beaucoup de travaux pour arriver à caractériser, à comprendre ces mouvements. Et donc, l'ouverture, par exemple, les mouvements d'ouverture qui sont représentés ici, sont liés, il y a besoin de lumière. La présence de lumière permet la synthèse d'ATP, enfin, d'un produit très énergisant, qui permet le fonctionnement de pompes à protons, l'entrée de potassium, de glucides, l'augmentation du potentiel osmotique et donc l'entrée d'eau. Et c'est cette entrée d'eau qui provoque une turgescence, et quand les cellules sont turgescentes, vous voyez les deux cellules de garde en pleine turgescence, elles s'ouvrent. Donc ça, c'est le mécanisme local d'ouverture. Bon, il y a plus de détails que ça, mais je ne vais pas rentrer là-dedans, qui est relativement bien connu, donc qui a été assez bien décrit. Donc ça, c'est au niveau cellulaire. Et puis pour la fermeture, c'est un peu l'inverse, mais même en pleine lumière. Là, cette fois-ci, c'est des récepteurs spécifiques d'une phytohormone qui est l'acide abscissique, qui intervient aussi sur l'abscission des feuilles et qui joue plein de rôles dans les plantes. Donc l'acide abscissique se fixe sur un récepteur, sur les membranes des cellules de garde, et provoque quelque chose qui est à peu près l'inverse de ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire bon, une entrée de calcium, mais surtout une sortie de d'ions potassium et chlorure, une baisse de la pression osmotique à l'intérieur de la cellule de garde, et surtout une forte sortie d'eau. Donc, c'est une perte de turgescence, en perdant la turgescence, l'estomac se ferme. Donc, le fonctionnement local des stomates, il est maintenant bien connu, et à peu près bien connu, et encore quelques interrogations. Et ça relève de la physiologie cellulaire, et puis tout a l'air très bien. Et maintenant, on va voir que c'est peut-être pas tout à fait aussi simple que ça, et qu'il faut essayer de lier ce fonctionnement local à un fonctionnement qui est plus large. Voilà pour les stomates. Donc, en gros, le message, c'est les stomates, on commence à bien connaître, mais on ne voit pas très bien comment c'est relié à d'autres processus qui sont les processus de transport de la sève brute dans le bois. Alors, la sève brute, donc la sève montante, et je ne parlerai pas du tout de la sève élaborée qui descend, hein, ce n'est pas du tout les mêmes règles de circulation et ça n'a rien à voir, sauf qu'il y a un peu de connexion entre les deux, mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Donc, la sève brute, hein, c'est bien l'eau qui monte dans l'arbre et qui est capable de monter jusqu'à 100 mètres de hauteur. Hein, les arbres les plus grands pompent l'eau dans le sol et la font monter à 100 mètres de hauteur, ce qui est quand même un bel exploit. Et donc là, l'élément essentiel qui explique les propriétés de transfert de l'eau dans les troncs, mais aussi dans les branches, dans les pétioles des feuilles et jusqu'aux feuilles, et en partie dans les racines, c'est le xylème. Ce qu'on appelle le xylème, c'est un tissu dans le bois qui forme un réseau hydraulique et conducteur de la sève brute montante.
L'essentiel du flux d'eau dans les arbres et dans les plantes sert à alimenter la transpiration. Le stockage ou le déstockage dans les tissus végétaux est une très faible composante de ce flux entrant. On peut dire que plus de 95% de ce qui entre dans l'arbre ressort pratiquement dans la même journée et donc sert à entretenir ce flux. On dit aussi que le flux est conservatif, c'est-à-dire qu'il y a autant d'eau qui rentre dans l'arbre à l'échelle de la journée. Si on passe à des échelles plus courtes, il peut y avoir des phénomènes de mobilisation des réserves d'eau dans les cellules et dans les tissus, mais si on prend l'intégration à l'échelle de la journée, le flux est à peu près conservatif. Et le moteur de ce flux, c'est bien l'évaporation, et l'eau donc circule sous tension et non sous pression. Si vous faites un trou dans un tronc, sauf s'il s'agit d'érable à sucre au printemps quand il n'a pas encore de feuilles, et là il y a de la sève brute qui coule, ou quand vous coupez des bourgeons ou des branches d'espèces qui ont légèrement de pression avant d'avoir leurs feuilles, mais une fois qu'ils ont leurs feuilles, il n'y a plus moyen de faire couler l'eau vers l'extérieur si vous faites des trous. Donc ça, c'est bien une des confirmations de la théorie de la cohésion-tension, donc qui date de 1894, et ça fait encore l'objet de quelques débats, mais bon, c'est relativement clair. Regardons l'anatomie du bois. Donc là, j'ai pris deux images dans un bouquin, je vous conseille, il est malheureusement en anglais, je ne sais pas s'il a été traduit, de Valérie Trouet. Il s'intéresse plutôt à la dendrochronologie qu'à l'anatomie du bois et la circulation de la sève, mais qui montre toute la richesse de ce qu'on peut faire en dendrochronologie. Là, vous avez une coupe transversale, donc c'est bien à travers du tronc, d'un bois de conifères avec ce qu'on appelle des trachéides. Donc, ils sont ces petits éléments vides, c'est des éléments vides, morts, et qui s'installent en cours d'année. Et vous voyez d'ailleurs que sur le cerne annuel, on a du bois de printemps et du bois d'automne. Le bois de printemps est relativement avec des trachéides bien développé, assez large, et le bois d'automne, souvent, c'est des trachéides de faible diamètre. Donc, vous voyez bien aussi le lien avec la conduction de la sève brute. Dans les angiospermes, c'est-à-dire les feuillus, c'est assez différent du point de vue de la structure, puisqu'on a là, dans le bois de printemps, on a souvent des gros vaisseaux. En gros, c'est nettement plus gros que les trachéides, et puis vous allez voir à quoi ça correspond. Et ensuite, le bois tardif, ce qu'ils appellent ici le late wood, et c'est constitué souvent de vaisseaux beaucoup plus petits. Donc, l'essentiel de la conduction se fait plutôt dans la partie jeune du cerne annuel, et on va voir d'un peu plus près ce qu'il en est. Donc, vous voyez, les différences entre conifères, c'est-à-dire entre gymnospermes et angiospermes, sont assez remarquables du point de vue de la structure des bois. Si on va plus loin dans la structure du bois, là, vous avez une coupe tridimensionnelle, la coupe, la face supérieure marquée TR, c'est la coupe transversale, la face marquée TA, c'est la coupe tangentielle, et puis la face marquée R, c'est la coupe le long du rayon. Et là, vous voyez, l'échelle est bien précise, 100 microns, le diamètre des trachéides est faible, et puis le bois est très homogène, avec, vous voyez, plutôt face à vous du bois de printemps, et puis derrière du bois d'été ou d'automne, avec des trachéides beaucoup moins larges. Et dans les angiospermes, là, il y a des différences d'anatomie. Alors, l'anatomie est très spécifique aux différentes espèces, mais là, vous avez deux exemples. Un exemple de ce qu'on appelle un bois à pore diffus, dans lequel il y a des vaisseaux qui sont pratiquement sur toute le cerne annuel. Et puis, dans le bois zone poreuse, vous avez une zone où il y a des gros vaisseaux. Alors, typiquement, à gauche, c'est le hêtre. Et puis, un bois avec des gros vaisseaux et ce qu'on appelle une zone poreuse, alors, typiquement, c'est le chêne. Les chênes sont souvent comme ça. Donc, une partie de le bois de printemps a des gros vaisseaux et le bois qui est mis en place pendant l'été a des vaisseaux de beaucoup plus faible dimension. Donc, ça va avoir des conséquences en termes de transport et de transfert de la sève brute. Un petit rappel, donc à gauche, vous voyez un trachéide avec, donc c'est dans les deux cas, que ce soit les conifères ou les angiospermes, c'est les éléments conducteurs sont des éléments morts, c'est des cellules mortes dans lesquelles ne reste plus que les parois lignifiées, très, très résistantes, très, très solides.
ils sont percés de pores, hein, des ponctuations, on appelle ça, et puis qui sont reliés les unes aux autres à travers des perforations qui permettent la circulation de la sève brute d'un de ces éléments vers l'autre. Dans le cas des trachéides, les trachéides sont des éléments restent isolés et se connectés les uns aux autres. Dans le cas des angiospermes, chaque élément conducteur est connecté directement à d'autres éléments conducteurs par des perforations qui peuvent complètement disparaître et qui permettent à des arbres comme les chênes de fabriquer des tuyaux continus qui peuvent faire plusieurs mètres de long et qui comportent donc des milliers de cellules bout à bout et qui s'organisent comme ça, qui sont très longues. C'est ça la grosse différence entre les angiospermes et les gymnospermes. Gymnospermes, des trachéides de dimension donnée, mais qui communiquent avec les unes avec les autres à travers leur ponctuation essentiellement. Et puis, dans le cas des angiospermes, des éléments de vaisseaux qui ensuite constituent des vaisseaux qui peuvent être de dimension assez importante. Pas en diamètre, vous avez vu, c'est des diamètres faibles, mais les longueurs peuvent être absolument impressionnantes. Vous allez me dire quelles sont les conséquences pour le transfert de l'eau de ces différences d'anatomie. Ben là, il y a une loi qui est très simple, hein, qui dit que la conductivité hydraulique, c'est-à-dire la capacité à transférer l'eau ou les résistances opposées au transfert d'eau, varie en fonction de la puissance 4 du rayon. Et c'est illustré sur cette figure. Vous avez en haut un élément de un élément unique à très fort diamètre, ben il a la même conductance que la collection de, je crois, je ne sais plus combien de trachéides qu'il y a là, en bas, ou que les éléments plus petits qui sont à droite. Donc vous voyez bien, la capacité de conduction de chacun de ces éléments, d'un vaisseau de chaîne, est beaucoup plus forte que celle d'un trachéide, et il faut beaucoup plus de trachéides pour qu'il assure la même conduction que dans le cas du chêne. Alors, est-ce que ça a des conséquences importantes? Alors, retenez ça. L'exemple là, il est intéressant, l'exemple du vaisseau de chêne qui peut faire 3 mètres de long, c'est beaucoup, 3 mètres, ça fait beaucoup, beaucoup de cellules bout à bout, qui fait 300 micromètres de diamètre, ben c'est l'équivalent de 7680 vaisseaux d'érable qui font 10 cm de long et 75 micromètres de diamètre en termes de propriétés hydrauliques. Alors vous allez me dire, ben oui, du coup, ce qu'on entend souvent, le chêne, il est drôlement efficace, et puis c'est dangereux pour lui parce qu'il y a peu de vaisseaux, s'il y en a qui claquent ou qui, pour une raison ou pour une autre, il va être perdu, alors que les autres, ben, ils conduisent beaucoup moins de sève brute. Eh ben, ce n'est pas tout à fait ça, parce qu'après se pose la deuxième question, qui est ces éléments conducteurs, est-ce qu'ils sont tous actifs ou est-ce qu'ils sont tous fonctionnels? Je préfère fonctionnels qu'actifs, parce qu'ils ne sont pas actifs du tout, c'est des tuyaux. Ils sont fonctionnels. Il y en a qui ne sont pas fonctionnels. Et une façon de le montrer, c'est de faire des colorations avec des, je ne sais plus quel pigment. Et là, vous voyez bien, là, dans la coupe transversale d'un relativement jeune chêne, hein, qui doit avoir une dizaine d'années à tout casser, bah, pratiquement seul le cerne de la dernière année de croissance est coloré. Ça veut dire que seul un cerne transporte de l'eau. Les autres ont perdu cette capacité de transfert d'eau. Dans le frêne, c'est un peu plus diffus. Et puis vous avez encore le même chêne, hein, on voit même des lignes de transmission du pigment. Donc, pour dire les choses très brièvement, ben, les conifères ont des trachéides qui ont des conductances, des conductivités individuelles très faibles, mais ils en utilisent beaucoup. Et le chêne a des vaisseaux de très fort diamètre, mais il en utilise beaucoup moins. Ce qui fait que à l'échelle de l'arbre, si on passe à l'échelle de l'arbre, on va passer d'une propriété locale et la propriété du tissu, qu'on appelle la conductivité hydraulique, par unité de tissu conducteur. Dès qu'on passe à l'échelle de l'arbre, il faut prendre en compte la conductance hydraulique totale entre les racines et les feuilles. Et cette conductance hydraulique totale dépend de la conductivité hydraulique, c'est certain, mais aussi de la surface d'aubier, la surface de bois actif conducteur. Et donc, il y a une convergence entre les deux, puisque la conductance hydraulique de l'arbre entier, que ce soit un sapin ou un chêne, si on la ramène à la surface qui transpire, est à peu près équivalente, avec un peu de modulation, mais il n'y a pas une énorme différence. Donc, ça veut dire qu'un chêne et qu'un sapin peuvent consommer autant d'eau, peuvent avoir le même développement en termes de surface feuillère, et qu'il n'y a pas de contraintes imposées aux conifères parce qu'ils ont des petits trachéides, mais ils en ont beaucoup, elles fonctionnent en même temps.
Et donc, à l'échelle de l'arbre, on arrive plutôt à quelque chose d'assez homogène si on divise par la surface foliaire alimentée. Donc, un petit arbre a une faible conductance, mais ramené à sa surface foliaire, elle est équivalente à celle d'un gros arbre qui a une énorme conductance, mais qui a une surface foliaire développée à peu près proportionnelle à la conductance totale. Voilà, ça c'est le fonctionnement normal, donc tout va bien jusqu'à présent, les feuilles transpirent, elles transmettent leur tension dans les vaisseaux, c'est transmis jusqu'aux racines, même jusqu'au sol, et puis tout ça, ça fonctionne super bien, et puis les stomates, quand il n'y a pas besoin de transpirer, ils se ferment, par exemple la nuit, et puis le jour, quand il faut faire de la photosynthèse, ils s'ouvrent, et donc on transpire. Est-ce que ça peut fonctionner? Est-ce qu'il y a des limites à ce fonctionnement? Et ça, c'est une question qui est apparue seulement dans les années, il y a une trentaine d'années, quand on a commencé à regarder ces questions-là. Et bien, on se rend compte, oui, il y a une limite, et la limite, c'est encore une fois lié au fait qu'il y a des tensions dans les colonnes d'eau, dans le xylème, et que cette tension crée de l'instabilité dans les colonnes. Et si elles sont sous tension, vous voyez bien que s'il y a une rupture pour une raison ou pour une autre de la colonne, il faut reconstituer l'intégrité de cette colonne pour arriver à faire fonctionner les choses. Dès qu'il y a une rupture, quand c'est sous pression, il n'y a pas de problème, la pression permet de résorber la rupture, mais quand c'est pas sous pression, la tension, au contraire, a plutôt tendance à amplifier cette rupture. Qu'est-ce qui peut provoquer une rupture? Et c'est là qu'on rentre dans quelque chose d'assez intéressant, qui sont les limites du fonctionnement. Représenter un peu sur ce schéma, quand la transpiration augmente, la tension dans le xylème augmente, et le risque que certains éléments du xylème, que ce soit des trachéides ou des vaisseaux cavites, c'est-à-dire se vident d'un coup, augmente. Et donc, l'élément de conducteur qui s'est vidé, qui a été embolisé du fait de la cavitation, ne conduit plus de sève, et on peut arriver à une embolisation complète si le processus s'emballe. Voilà un résumé très simple. Donc, il y a une limite de fonctionnement qui est lié au risque de voir apparaître des bulles d'air dans ces systèmes sous tension. Et ce risque d'apparition de bulles d'air, il est conditionné par des propriétés qu'on va voir maintenant. Et effectivement, dès qu'il y a bulles d'air, il y a une perte de conductivité et donc quelque chose d'embêtant pour la survie de l'arbre si tous ces vaisseaux ou tous ces trachéides sont habités. Alors, quelle est l'origine de ces bulles d'air? Ça a été très longtemps débattu. Il y a maintenant un relatif consensus pour dire que ces bulles d'air, il y a toujours de l'air dans le bois. Il y a toujours des vaisseaux vides à côté de vaisseaux qui sont fonctionnels. Et donc, comme ces vaisseaux fonctionnels et vaisseaux vides sont plus ou moins en contact par des plaques poreuses qu'on voit ici, il y a toujours un risque qu'une bulle d'air passe d'un vaisseau vide à un vaisseau plein, surtout si la tension augmente. Et ça, c'est ce qu'on appelle la théorie du germe d'air, que je ne vais pas trop développer ici, mais qui est maintenant bien établi, et qui dit que la paroi primaire, puisque c'est un reste de paroi primaire qui est présente entre les deux avec ses petites porosités, peut soutenir des interfaces eau-liquide jusqu'à une certaine tension, et quand la tension est de plus en plus forte, c'est-à-dire que la pression, en fait, la tension, on l'exprime en négatif par rapport à une référence zéro, à un moment donné, il y a une bulle d'air qui passe. Donc là, ça veut dire qu'il y a vraiment une limite de fonctionnement qui est imposée par l'anatomie des tissus conducteurs et bien par l'anatomie des pores qui permettent de relier un vaisseau ou un trachéide à l'autre. Et le risque, c'est que quand ça commence à s'emballer, que la tension devient trop forte, tout cavite. Et on peut le montrer, on peut voir, alors je ne sais pas si je l'ai mis, non, je ne l'ai pas mis, mais on peut le voir en microscopie électronique, on voit des vaisseaux vides et des vaisseaux pleins quand on congèle les vaisseaux et qu'on regarde rapidement. Et on voit que quand la cavitation se transmet rapidement, ça peut se traduire par une perte totale de conductivité. Et alors c'est dramatique parce que pour reconstituer, c'était une des questions qu'on a posées aussi pour reconstituer la conductance dans les vaisseaux, il faut les remplir de nouveau. Et pour les remplir, il faut qu'il y ait de la pression. Alors, je vous ai dit, pour l'instant, ce système est tout le temps en tension, sauf quand il n'y a plus du tout de transpiration. Donc, vous pouvez retenir qu'en première approximation, même s'il y a encore des débats là-dessus, un phénomène de cavitation est quasiment irréversible.
Comment est-ce que l'arbre peut faire pour compenser la cavitation? Ben, le chêne, il a une technique simple, hein, il reproduit un nouveau cerne et il dépend du nouveau cerne du printemps d'après, s'il cavite. Et puis, effectivement, les éléments cavités ne redeviennent pas fonctionnels. Dans d'autres cas, il peut y avoir des pressions au printemps qui re-remplissent au moins partiellement les vaisseaux. C'est un domaine de recherche qui n'est pas encore complètement sûr de tout, mais c'est un domaine qui bouge pas mal. Alors, une autre façon de représenter ça, c'est de représenter, donc, vous voyez sur le graphique, en bas, vous avez les tensions dans le xylème représentées en négatif, puisqu'on est c'est une tension, c'est représenté en négatif, et une pression, c'est représenté en positif. Donc, les tensions dans le xylème sont de plus en plus fortes, de 0 à moins 6. Les unités, c'est des mégapascales, des unités de pression. Et puis, vous avez sur l'axe, l'axe des Y, vous voyez la perte de conductivité hydraulique, c'est-à-dire non pas le nombre de vaisseaux ou d'éléments cavités, mais le résultat que ça produit en termes de conductivité de l'élément qu'on regarde, du morceau de bois qu'on regarde. Et on voit très bien, et ça c'est maintenant très bien reproduit, qu'il y a un seuil de tension, ici il est à peu près à moins 2,5 mégapascal, où tout à coup il commence à y avoir induction de cavitation, et puis à moins 4,5 mégapascal, ce qui est une des tensions déjà très fortes, ça y est, on a tout perdu. On a perdu l'ensemble de la conductivité. C'est ce qu'on appelle une courbe de vulnérabilité. Alors, je ne vous donne pas les techniques pour les mesurer. Il y a maintenant plusieurs techniques pour faire ça. Elles sont de plus en plus reproductibles. On arrive à des résultats de plus en plus stables et sur des espèces de plus en plus nombreuses. Donc là-dessus, on a... Alors, est-ce que c'est variable? C'était une autre question. Est-ce que ça bouge suivant les espèces? Ou est-ce que c'est la même propriété pour tout le monde? Ben là, je n'ai pas fait un catalogue complet parce qu'il y a des publications qui ont maintenant testé la vulnérabilité à la cavitation d'une gamme d'espèces. Je pense qu'on est plusieurs centaines d'espèces dans les bases de données. Je vous montre simplement les courbes de perte de conductivité de trois peupliers. Un peuplier qui pousse dans le désert. Et étonnamment, c'est le plus vulnérable à la cavitation. Mais en même temps, son écologie est simple, hein, c'est qu'il a besoin de nappes d'eau présente sur ses racines en bord de rivière pour pousser au milieu du Taklamakan. Il fait donc des magnifiques bandes vertes autour des rivières ou de réserves souterraines d'eau. Donc, il a besoin d'avoir accès à l'eau. Il peut survivre dans des conditions très arides, mais en ayant de l'eau à sa disposition. D'autres peupliers sont moins vulnérables. Le potentiel hydrique ou la tension induisant la cavitation est plus dégagée vers la gauche. Vous avez au milieu le chêne pédonculé qui cavite aux alentours de moins 2,5 mégapascal. Et puis, vous avez deux exemples d'espèces plutôt tolérantes, enfin, qui habitent à des tensions fortes, hein, qui sont le chêne liège et puis le cyprès. Voilà, donc effectivement, il y a une variabilité entre espèces et ça diffère très fortement d'une espèce à l'autre. Donc, cette propriété est effectivement très variable d'une espèce à l'autre. Donc, on va maintenant se poser la question, comment les arbres font? Est-ce qu'ils cavitent tout le temps pendant la sécheresse? Et bien, quand on essaie de mesurer de la cavitation sur des arbres vivants, on a beaucoup de mal à en trouver parce qu'en général, tout se passe comme si l'arbre, de par sa construction et son fonctionnement, était capable d'éviter la cavitation. Comment est-ce qu'il fait pour éviter la cavitation? Mais il n'y a qu'une seule façon de faire, quand les tensions sont trop fortes dans le xylème, il faut faire quoi? Il faut baisser la transpiration. Et pour baisser la transpiration, il faut fermer ses stomates. Alors, ça fait un peu on a l'impression que les stomates se ferment pour éviter la cavitation. Il faut toujours éviter de recourir à des raisonnements qu'on appelle téléologiques, c'est-à-dire le vivant fait quelque chose pour. Et il vaut mieux se dire les deux phénomènes sont concomitants et il y a une coordination entre les deux et on ne sait pas très bien pourquoi. Donc, voilà. Donc, si on représente ça sur le même schéma que tout à l'heure, c'est-à-dire on regarde d'une part à droite le degré d'ouverture des stomates et à gauche la courbe de vulnérabilité à la cavitation, de perte de conductivité dans le bois, on constate que les tensions dans les vaisseaux, au moment où les stomates sont pratiquement fermés, sont en général bien plus faibles que celles qui induisent la cavitation.
Et vous voyez là la fermeture des stomates à moins 3 mégapascales, les stomates sont entièrement fermés. C'est une vision un peu, c'est pas un exemple expérimental, c'est bien un exemple un peu théorique. Alors que la cavitation commence tout juste à moins 3. Et puis vous voyez aussi après qu'on peut caractériser, on caractérisera souvent la vulnérabilité à la cavitation par la tension qui provoque 50% de perte de conductivité. 50%, c'est totalement arbitraire. On pourrait dire 20% ou on pourrait dire 80%. Mais c'est une façon de standardiser et d'exprimer cette vulnérabilité par une valeur unique et pas par une courbe. Vous verrez tout à l'heure que c'est bien utile quand on compare des espèces. Donc, ce qu'on voit là-dessus, c'est quand même que dans le fonctionnement habituel des choses, la fermeture d'estomac permet d'éviter la cavitation et permet d'éviter ce dysfonctionnement. Fort heureusement, parce que sinon, il n'y aurait pas d'arbre. S'il n'y avait pas un mécanisme qui permet de limiter la tension dans les xylèmes au-dessus du seuil de dysfonctionnement, les arbres ne se seraient pas développés dans l'évolution. C'était une condition sine qua non. Alors, si on regarde, là, vous avez à droite, les vaisseaux sont fonctionnels, à gauche, ils sont cavités, les vaisseaux, les trachéides. Et effectivement, si on garde toujours la même courbe de réponse d'estomac, de fermeture d'estomac, et si on déplace la courbe de vulnérabilité, on voit ce que apparaît clairement ce qu'on peut appeler la marge de sécurité, c'est-à-dire la gamme de potentiel hydrique auquel les arbres peuvent fonctionner tout en se protégeant. Donc l'estomac se ferme largement avant qu'il y ait induction de la cavitation. Et donc, si l'induction de cavitation se fait à des potentiels ou à des tensions dans les vaisseaux de plus en plus faibles, c'est-à-dire de plus en plus fortes, en négatif, la marge de sécurité augmente. Donc là, une des questions de l'écologie actuelle des arbres et de la comparaison des espèces, donc on sait qu'il y a une variabilité forte de la vulnérabilité à la cavitation. On se pose la question de comment les stomates sont pilotés par rapport à cette vulnérabilité et est-ce que la marge de sécurité est forte ou faible? Et ça, c'est une question extrêmement importante qui a été traitée une paire de fois, mais pas tant que ça, qui est apparue, on commence à traiter depuis une quinzaine d'années. Alors, voilà les derniers détails qui apparaissent. Donc là, vous avez un graphique d'un papier important de Schwatt et al. Qui est paru en 2012. Ce papier récapitule les données de 191 espèces d'angiospermes et de 32 espèces de gymnospermes. Les angiospermes en bleu, les gymnospermes en rouge. Vous avez en bas le fameux Psi50, qui est bien donc ce seuil de vulnérabilité exprimé par une seule donnée. Donc, je vais peut-être revenir en arrière. Vous voyez, le Psi50, c'est la tension à partir de laquelle on a perdu 50% de la conductivité dans le xylème. Donc, effectivement, en comparant ce potentiel, cette tension, à la tension qui existe, qu'on peut mesurer in situ vers midi, donc au moment de la journée où la transpiration est potentiellement la plus élevée, là, on se rend compte qu'il y a quand même, d'une part, la première chose que vous voyez là, c'est qu'il y a une gamme de variabilité de la vulnérabilité à la cavitation très forte, que ce soit dans les gymnospermes ou dans les angiospermes. Les valeurs les plus extrêmes qui ont été mesurées jusqu'à présent, c'est plutôt dans des gymnospermes. C'est des cupressacées qui poussent dans des conditions de quasi-désert. Et il y a en particulier un calitris australien qui, je crois, détient tous les records de faiblesse de vulnérabilité à la cavitation. Et il pousse dans des zones arides et ça permet sans doute sa survie. Mais la deuxième chose qui est intéressante, dans les angiospermes, il y a aussi une très forte variabilité. Donc là, il y a moins de situations extrêmes de résistance ou de faible vulnérabilité. Et quand on regarde cette fois-ci le potentiel hydrique qui est atteint en cours de journée, ben vous voyez qu'il est drôlement près du seuil de cavitation. C'est-à-dire que les arbres fonctionnent, surtout les angiospermes d'ailleurs, moins les gymnospermes, fonctionnent très près de la zone de vulnérabilité de la cavitation. Alors pourquoi? Quelle est la conséquence de ce fonctionnement? Il y en a deux. La première conséquence, c'est que c'est une façon de maximiser l'ouverture des stomates et de maximiser la photosynthèse, mais en prenant quelques risques.
La deuxième conséquence, c'est qu'il y a vraiment des risques. C'est-à-dire que si une sécheresse intervient, il n'est pas impossible qu'il puisse y avoir une induction massive de cavitation. Donc, pour l'instant, ça ne s'est pas tellement vu, mais ça se voit de plus en plus dans les zones dans lesquelles il y a des fortes mortalités, hein, que ce soit en Amérique, en Arizona, dans les zones très sèches, aux États-Unis, où il y a une forte mortalité liée à la sécheresse, et aussi dans des phénomènes de dépérissement. Et les gymnospermes ont une stratégie un peu différente, puisqu'ils, visiblement, ils ont l'air d'être beaucoup plus prudents, entre guillemets, que les angiospermes. Alors, si on regarde la répartition de tout ça en fonction des zones dans lesquelles se développent les arbres, donc c'est depuis à droite, vous avez la forêt pluviale tropicale, vous avez les forêts semi-sèches décidues tropicales, les forêts tempérées et les forêts méditerranéennes. Alors, sans surprise, les essences qui présentent la plus faible vulnérabilité et la plus forte marge de sécurité sont plutôt, déjà c'est les gymnospermes plutôt que les angiospermes, et puis c'est plutôt en zone méditerranéenne et puis dans les zones semi-arides ou arides, mais il y a quand même globalement des variations. Alors là, sur le schéma, vous avez deux façons de représenter la vulnérabilité en prenant comme limite le potentiel, enfin, la tension qui provoque 50% de perte, et en bas, vous avez la tension qui provoque 88% de perte. Précisé, avec donc des marges qui sont relativement faibles, c'est-à-dire en gros, il y a quand même le risque de cavitation n'est pas du tout nul, malgré l'efficacité avec laquelle l'estomac régule la transpiration. Alors la vraie question, et celle-là, on ne sait pas encore y répondre de façon très significative, il y a une ou deux synthèses qui sont parues récemment qu'il faut que je lise encore en détail. La vraie raison, c'est que, on sait que la fermeture des stomates, elle est due vraisemblablement à l'ABA essentiellement, donc à cette hormone qui a des caractéristiques qui se fixent sur les cellules de garde et qui permet donc, c'est un signal de fermeture. Mais il y a d'autres signaux de fermeture qui sont présents aussi et dont on ne sait pas encore exactement comment ils fonctionnent. Et ce qu'on ne sait pas non plus tout à fait, c'est est-ce que l'acide abscisique qui provoque cette fermeture, il se déplace dans les plantes, il n'est pas synthétisé localement dans les cellules de garde, il peut se venir des racines. Il y a des expériences qui montrent que l'acide abscisique produit par les racines peut être transporté jusqu'au stomate et provoquer leur fermeture. Il peut venir du phloème, il peut venir du mésophile, il peut venir de plein d'autres endroits. Donc tout ça, c'est encore un domaine en discussion. Qui fait que cette bonne coordination, sauf situation vraiment extrême, entre vulnérabilité à la cavitation du bois, que ce soit dans les troncs ou dans les branches, et puis le fonctionnement des stomates, on le constate, c'est un constat, mais on ne sait pas encore l'expliquer d'une façon complètement mécaniste. On ne sait pas encore quels sont les signaux qui permettent d'ajuster la conductance stomatique au fonctionnement et au risque de cavitation, d'induction de cavitation dans les vaisseaux et tout ça. Je vous ai mis, vous aurez le transparent, un peu de lecture, quelques bouquins sympas. Il y en a un que j'ai oublié de mettre, il faut que je mette absolument, qui est le bouquin vraiment le plus important pour comprendre un peu tout ça. Il a été écrit dans les années 80 et puis repris dans les années 90. Il s'appelle The Xylem and the Ascent of Sap et il explique tous ces aspects hydrauliques, un peu moins les aspects stomatiques, parce qu'à l'époque où il a été rédigé, et on ne comprenait pas encore tout. Voilà, et j'en ai fini, je suis prêt à répondre à vos questions et à lancer le débat, comme vous voulez. Merci beaucoup, Erwin. Vos conseils de lecture seront mis en ligne demain sur le MOOC, bien sûr, avec donc le complètement de encore. C'est direct, voilà. Et vous pourrez bien sûr le compléter avec ce que vous venez de mentionner. Merci également parce que vous avez déjà répondu à pas mal de questions. Je vais simplement les énoncer pour bien dire qu'elles ont été abordées dans votre présentation. C'était dans le forum du cours pour préparer ce direct. Les questions étaient les suivantes auxquelles vous avez donc, je trouve, plutôt bien répondu aujourd'hui. C'est le risque de cavitation est-il plus faible chez les conifères? Si oui, est-ce lié au fait qu'ils ont des trachéides et non des vaisseaux? Autre question, le diamètre des vaisseaux est-il impliqué dans le phénomène de cavitation? Autre question encore, quelle est la composition de l'air dans les bulles d'air impliquées dans le processus de cavitation? Cet air peut-il être évacué? Donc tout ça, vous en avez quand même déjà parlé. Sait-on à partir de quel moment la rémission n'est plus possible suite à une sécheresse? Encore un aspect que vous avez évoqué. Peut-être attirer votre attention sur des questions qui ont été posées aujourd'hui, pendant votre présentation. Alors, je vais peut-être en,
Ben voilà, vous énoncez quatre questions, vous les prendrez dans l'ordre qui vous convient, si cela vous va. Comment la tension peut-elle continuer à augmenter une fois que les stomates sont fermés? C'est une première question. Notre question, les stomates se ferment donc plutôt en fonction de l'hydrométrie du sol qu'en fonction de la température de l'air, point d'interrogation. Donc, je crois que c'est plutôt ce que vous disiez un petit peu en conclusion, ce que vous évoquez comme axe de recherche actuel. Troisième question, dans les vaisseaux non fonctionnels, y a-t-il tout de même de la sève? Vous aviez dit qu'il y avait de l'air résiduel, est-ce qu'il y a également de la sève ou autre chose? Et enfin, une quatrième question, y a-t-il de fortes questions? Pardon? Alors, s'il vous plaît, je vais vous demander de désactiver votre micro. Et dernière question, y a-t-il de fortes tensions lorsqu'il fait très chaud, mais qu'il y a assez d'eau pour l'arbre? Voilà, peut-être pour commencer, quatre questions, Erwin. Bon, je vais essayer d'y répondre. Alors, vous avez vu, le diamètre n'est pas essentiel dans la vulnérabilité à la cavitation, c'est bien la configuration des ponctuations qui relient les différents vaisseaux entre eux, ou les différents trachéides, et c'est bien le fait qu'il y ait toujours un peu d'air dans le bois, hein, même dans du bois jeune, de l'aubier extérieur, qui est à l'origine des bulles d'air qui peuvent provoquer la cavitation. Les tensions, elles sont vraiment liées à la transpiration. Donc, je vous ai dit au début que la transpiration, elle est fonction de l'évapotranspiration, qui dépend de la température, de l'humidité de l'air, du rayonnement reçu. On sait très bien le modéliser, c'est un processus physique qui est cette fois-ci très bien connu. S'il y a de l'eau dans le sol, suffisamment dans le sol, c'est quand même, moi j'ai du mal à envisager qu'il puisse y avoir de la cavitation, même si la demande évaporative est forte. Mais il y aura de la fermeture de stomates. On se rend compte que quand on arrive à des fortes températures, à des évapotranspirations potentielles très élevées, même quand il y a de l'eau dans le sol, il y a de la fermeture de stomates. Ça, c'est très clair. Et c'est en fin d'après-midi, c'est ce que je vous montrais dans le MOOC, en fin d'après-midi, quand il tombe par une journée chaude avec un potentiel de transpiration très important, les stomates se ferment. Parce qu'ils approchent. Et vous avez vu l'exemple que je vous ai donné, mais il y en a d'autres. Les armes ne fonctionnent pas avec une très grosse marge de sécurité. Ils sont assez proches du seuil de cavitation, souvent. Et ils régulent pour maximiser la photosynthèse. C'est quand même quelque chose d'important. C'est un constat. C'est pas, ils ne font pas pour. Le constat, c'est que ça se passe comme si. Voilà. Et puis, c'était quoi l'autre question encore? Moi, je crois que j'ai à peu près répondu aux quatre. Oui, il y avait les vaisseaux non fonctionnels. Donc, on y trouve de l'air. C'est de l'atmosphère extérieure, pratiquement, avec un peu de vapeur d'eau. Ça doit être saturé en vapeur d'eau. Mais du coup, c'est à une pression qui est la pression atmosphérique. Hein. Alors qu'à côté, il y a un vaisseau qui est sous une tension qui peut être 20 fois la pression atmosphérique. Donc, vous voyez bien que les fameuses zones de contact entre l'atmosphère et la phase lipide, c'est là que les pores doivent être très très fins pour permettre de maintenir ces zones de contact. Une question de Christophe, Erwin. Est-ce que la fermeture des stomates se fait par zone ou elle est très synchronisée au niveau du pied et de l'arbre? Alors, c'est une très bonne question et je ne sais pas très bien y répondre. D'accord. Parce que là, il y a quelques temps, effectivement, des tentatives de montrer des diversités. Alors, plutôt par zone, et il y a des gens qui, en faisant de la mesure de température avec des caméras thermiques, hein, en infrarouge, ont montré que la transpiration n'était pas homogène, même si le rayonnement reçu et les conditions d'évaporation étaient homogènes. Mais je ne sais pas si ça a une importance ou pas, on se pose pas trop la question. Et dans le domaine, on mesure effectivement la conductance stomatique, on la mesure pas stomate par stomate, hein, on la mesure sur une feuille entière et en général, on fait l'hypothèse que c'est relativement homogène sur la feuille. On sait que ça n'est pas tout à fait. Alors, Martine pose la question suivante et qui fait le lien avec beaucoup de questions qui ont été posées sur le forum, hein, un sujet bien sûr qui préoccupe beaucoup actuellement, c'est l'adaptation au changement climatique. Mm-hmm. Jusqu'où les arbres pourront-ils supporter, on va dire, l'évolution attendue des températures, d'humidité, etc. La question de Martine est la suivante. Peut-on imaginer avec l'évolution rapide du changement climatique une adaptabilité par espèce de ce phénomène? Et je profite de cette question pour poser la question. Vous avez montré des différences entre différentes espèces, en fait. Hein.
Est-ce qu'on observe une variabilité au sein d'espèces par rapport à cette résistance que vous avez évoquée? C'est une excellente question. Et alors, étonnamment, il n'y a pas tellement de données que ça, parce que faire de la plasticité, c'est ça, on appelle ça de la plasticité phénotypique de cette caractéristique. Travailler sur la plasticité phénotypique, ça veut dire travailler sur beaucoup d'échantillons. Et il y a une seule technique qui permet de travailler sur beaucoup d'échantillons, c'est celle du cavitron, qui est utilisée largement à Bordeaux et maintenant un peu partout dans le monde, qui permet d'induire la cavitation en prenant une centrifugeuse et en faisant tourner les rameaux de plus en plus vite jusqu'à ce que les colonnes d'eau rompent. Donc c'est une façon de mesurer qui est pas mal, qui est maintenant reconnue, qui pose quelques problèmes pour des chaînes, par exemple, parce que les vaisseaux sont trop longs, mais ils ne rentrent pas, il faudra une méga centrifugeuse, donc on ne sait pas encore très bien faire pour les chaînes, sauf si depuis ça a évolué. Mais ça demande quand même beaucoup d'échantillons. Alors, du coup, jusqu'à présent, on a vu qu'il y avait un peu de plasticité, c'est-à-dire que ce n'est pas une propriété figée dans une espèce, que ça dépend un peu du niveau de lumière reçu par les plantes, et que ça dépend, il y a un peu de variabilité entre les populations. Mais cette variabilité entre les populations est souvent beaucoup plus faible. Alors c'est très conditionnel encore, parce que je n'ai pas en tête beaucoup de données qui le montrent, mais elle est beaucoup plus faible que la variabilité interspécifique. Ce qui veut dire aussi qu'à l'intérieur des espèces, pour l'instant, on n'a pas l'impression qu'il y ait un potentiel important de diversité génétique intraspécifique dans cette caractéristique. C'est encore très conditionnel, c'est un sujet important. Je vais lier deux questions posées par Philippe Boucher ainsi que Vincent, donc dans le chat. La question de Philippe, si les arbres et surtout les feuillus sont proches de la limite de cavitation, que va-t-il se passer avec l'augmentation des sécheresses et des canicules? Et la question que l'on peut associer aussi, en cas de climat extrême, un arbre meurt-il plutôt de la cavitation ou meurt-il plutôt de faim car il n'arrive plus à synthétiser des sucres? Bon, ça aussi, c'est pas un vieux débat, c'est un débat qui a une dizaine d'années. Il y a deux écoles, comme toujours chez les scientifiques, parfois même trois. Alors, l'une qui dit il n'y a pas de problème, on arrive à induire la mortalité. Alors, c'est intéressant parce que pour induire la mortalité par cavitation, on se rend compte que le système est quand même bien protégé. Quand les stomates sont bien fermés, et la cuticule elle reste quand même très imperméable. Et donc, le dessèchement est très fortement ralenti. Puis, il y a des mécanismes de protection. Un tilleul, quand il a des soucis avec ses feuilles, il fait tomber les feuilles et il attend l'année prochaine. Le fameux acacia dont on parlait tout à l'heure, il nous a beaucoup surpris. Ou le peuplier du désert, c'est la même technique. S'il y a un risque énorme de cavitation, ça cavite dans les pétioles et puis les feuilles tombent. Et puis, pareil, on attend que les conditions redeviennent meilleures. Ça, c'est une des réponses possibles, qui n'est pas généralisable. La deuxième chose, c'est que Hervé Cochard, qui a beaucoup travaillé sur ces sujets, beaucoup plus que moi, et que c'est fait partie des sommités du domaine, il a élaboré un modèle pour essayer d'expliquer comment la sécheresse seule, donc l'hypothèse hydraulique, permet d'expliquer la mortalité. Et pour l'expliquer, il a fallu qu'il fasse appel à une autre hypothèse qui est parfaitement plausible, mais à laquelle on n'a pas prêté beaucoup d'attention jusqu'à présent, qui est celle que l'imperméabilité des cuticules à la vapeur d'eau, quand les températures de feuilles augmentent au-delà de 40 degrés, tout à coup, elles diminuent violemment. Et il y a peu de données encore là-dessus. C'est quand même très difficile à travailler. Il y a maintenant des techniques qui permettent de le faire. Mais lui, il a montré qu'il avait besoin de cette hypothèse pour faire crever son arbre purement de sécheresse et de cavitation. Donc son modèle s'appelle Suro. Il commence à tourner. Et il y a quelques équipes qui travaillent sur l'impact des températures élevées sur la perméabilité des cuticules et l'induction de la mortalité. Alors après, ça peut être que la mortalité des feuilles, si le reste est bien protégé et que les feuilles tombent, mais ça peut être aussi la mortalité de l'arbre si les feuilles ne tombent pas et si le système continue à s'emballer. Donc ça, c'est assez nouveau. C'est un domaine, parce que jusqu'à présent, le constat, c'était que même dans les sécheresses de 2003, il y avait très peu de cavitation en milieu naturel. Je me souviens, Hervé, quand il avait commencé à travailler ici, on voulait montrer que les chênes qui étaient poussés autour de Champenoux, après les sécheresses, étaient cavités. Ben non, ils tenaient très bien le coup.
Mais ce qui se produit avec le changement climatique ces derniers temps, c'est qu'il n'y a pas seulement diminution de la réserve en eau du fait de l'augmentation de l'ETP et de la transpiration, il y a aussi augmentation des températures estivales. Et les 40 degrés en température de surface foliaire sont assez facilement atteints maintenant en zone méditerranéenne et en zone tempérée. Et donc, on rentre dans une période d'incertitude où on est aux limites du fonctionnement, non seulement pour ce qui est de la vulnérabilité à la cavitation, mais aussi pour ce qui est du fonctionnement des petites lignes. D'où les inquiétudes par rapport à des sécheresses accompagnées de températures très élevées. Bon, si après on connaît les températures limites de fonctionnement des arbres. Et puis, dernier point, la transpiration fait monter la sève vers les feuilles, mais elle permet aussi de refroidir. C'est l'évaporation qui permet de refroidir. Et donc, quand il n'y a plus de transpiration, la feuille est en plein soleil, et les 40 degrés ou 45 degrés, voire 50 degrés, sont vite atteints. Et là, on rentre dans des zones inquiétantes. Ce qui est vraiment inquiétant dans les années récentes, comme 2022, c'est bien la combinaison de déficits hydriques dans le sol et de températures de plus en plus élevées pendant les pointes de canicule. Erwin, merci beaucoup. Peut-être qu'on va prendre une dernière question, puisqu'il est 17h56. Alors, qu'est-ce que l'on va pouvoir Alors, pour la... si, je n'ai pas répondu à la deuxième question. Oui, sur la famine, le risque de famine, peut-être. Ah oui, faut pas l'évacuer. Alors, la mortalité par cavitation, on a l'impression que c'est une mort subite. Crac, tout le monde cavite, enfin, tous les vaisseaux cavitent, et puis ça se dessèche d'un coup, et puis poum, plus rien. Ce dont on se rend compte quand même, c'est que la mortalité des arbres, elle ne se produit souvent pas l'année même de la sécheresse, mais elle est décalée dans le temps. Et donc, la deuxième hypothèse qui est de dire il y a aussi le fait de ne pas faire de photosynthèse pendant la sécheresse, d'avoir un gros déficit en réserve, de ne pas avoir suffisamment de réserve à mobiliser l'année d'après pour refaire des feuilles, ça peut aussi être une induction de mortalité. Donc, le débat n'est pas complètement clos. Une mortalité directe, la mortalité subite, elle est parfaitement possible et elle est observée dans certains cas, mais il peut aussi y avoir des dépérissements plus lents, plus graduels, plus progressifs, qui sont liés à une combinaison d'effets de cavitation et d'effets de perte, enfin de déficit en alimentation, en glucides, de déficit de réserve pendant l'hiver. Donc je ne m'oublie pas trop, on évite les deux, on continue à... Il y a encore des tenants des deux, et puis il se chamaille joyeusement, mais c'est comme ça qu'on avance dans la compréhension de ces processus. Bien, merci, ce sera le mot de la fin. Le direct est maintenant terminé. Merci infiniment, Erwin, pour votre disponibilité, cette présentation, toutes ces réponses que vous avez osé nous apporter à toutes les questions posées sur le forum et lors de ce direct. Je signale à tous les participants que le prochain rendez-vous, le prochain direct, est programmé pour le 22 mars. Nous aurons le plaisir d'écouter cette fois-ci Pascal Frey, mais d'écouter pas seulement, de questionner aussi, vous l'avez compris, Pascal Frey sur le thème des maladies émergentes des arbres. Et à cette occasion, il parlera de deux maladies, en particulier la graphiose de l'orme et le chancre coloré du platane. Je vous dis donc à très bientôt et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir tout le monde.